Je voudrais revenir sur cette question pertinente de ce qu'est l'observateur et de ce qu'est l'observé. L'observé, c'est celui qui joue, c'est celui qui est enrôlé. Il est captivé par ce qu'il voudrait faire exister. L'observateur, c'est celui qui cesse de faire ça. C'est celui qui cesse de réagir. Il ne fait plus ça. Donc il voit ce qu'il fait. Il se regarde. En train de faire. Et en fait, tu apprends. Tu apprends de toi-même. Tu es dans cette phase où tu comprends qui tu es. C'est ça qu'on appelle la connaissance de soi. Faire la connaissance de soi. Aussitôt que il y a un calme absolu et que l'observateur ne réagit plus du tout dans la scène, alors il y a, comme par miracle, quelque chose qui émerge, quelque chose qui n'est pas de cette dimension. C'est une vision en fait, une vision de ce qu'on sont les choses sans qu'elles ne soient distordues par le passé, c'est-à-dire l'observer. Toute cette activité, c'est le résultat d'un monde que on a appris à être dedans, on a appris à s'identifier avec, et en fait, là-dedans, dans cette activité-là, il y a l'observateur et l'observé qui sont la même chose. L'observateur, c'est le passé, et le passé est en train de jouer. Donc l'observateur voit ce qui se joue. Et quand tu vois ce qui se joue, alors tu as une autre vision, une autre perception de la scène. Tu vois la scène comme elle est, pas comme l'observé aimerait le faire exister. Parce que l'observateur, c'est aussi le passé. Et donc le passé voudrait que les choses perpétuent de la même manière. Donc tu cesses de faire ça. Tu n'es plus dans l'activité de vouloir arranger les choses. À ce moment, ta perception, elle n'est plus celle de celui qui est en train de s'engager. En fait, ta perception, elle est dégagé de toute activité que la pensée voudrait mettre en place. Il y a une perception qui voit. La vision, elle devient juste une perception. Il y a ce qu'il y a. Et ce qu'il y a est accepté. Et à ce moment-là, l'observateur et l'observé ne sont plus là. Il y a juste une perception. Aussitôt que tu regardes la vie avec les yeux du passé, alors tu ne vois pas l'autre dimension. Tu ne vois que ce qui a été et ce que tu aimerais continuer à faire pour que ça existe encore, parce que là-dedans, il y a tout ton réconfort, ta petite vie, tes péchés mignons, tes habitudes, tes train-train. Et ça doit se perpétuer parce que tu es le passé. L'observateur, c'est le passé. Donc si tu cesses de côtoyer ce passé, tu bascules ta vision sur ce qui est direct. Pas ce qui est passé, mais ce qui est direct. C'est-à-dire tu regardes la vie à travers
ce que tu es, ce qui se passe, ce qui se joue vraiment, la réalité des choses, sans être distordu par ce que le passé ou le futur voudrait mettre en place. Alors cet état d'observation crée un état où il y a la vision de l'intelligence. Une intelligence est là. Et cette intelligence, c'est justement la présence de ce que tu es pour de vrai. Et cette présence, elle ne vient pas de quelque chose. Elle est toujours là et c'est elle qui fait en sorte que les choses existent. Et tu ne regardes plus la vie à travers le passé. Tu regardes la vie à travers son début. Tout est manifesté en permanence. Et cette manifestation, c'est ce que tu es, en fait. Tu aimais ce que la vie propose. La vie passe à travers toi. Et ce qui se passe là, eh ben, c'est ce que tu manifestes. Ce que tu manifestes parce que tu laisses la vie être. Tu n'es plus l'observateur ni l'observé. Tu es en dehors de tout ce programme, en fait. Tu es tout simplement revenu à la raison pour ne plus jouer dans la scène. Parce que la scène, justement, c'est toute cette société qu'on a fait et qu'on aimerait perdurer. Toutes ces habitudes qu'on a, on aimerait perdurer. Et là, il n'y a plus d'observation. Il y a juste le jeu. Il y a juste tout l'enjeu qu'il y a de poursuivre ses intérêts. Être dans un monde où tout doit continuer toujours de la même manière parce que autrement on perd tout. Et tout ce qu'on a mis en place est perdu. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de crainte que ce que tu es n'a jamais existé. Parce que l'observateur s'est identifié au passé. Et l'observer, c'est le passé. Et toute cette activité-là, elle est fausse. Et dès que tu as mis ça en valeur, dès que l'esprit ne fait plus rien, ne réagit plus aux événements, ne réagit plus à la situation, parce qu'elle n'est pas au goût de ce qu'on aimerait faire exister, alors quand il n'y a plus de réaction, eh bien, il y a juste la réalité. La réalité, elle est là. Il y a une perception de ce que la vie propose, pas de ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est justement, c'est être occupé. C'est avoir l'esprit occupé de choses que tu aimerais faire exister. Et quand tu n'es pas occupé comme ça, alors tu n'as plus l'esprit encombré de ce que le passé propose. Et quand tu n'as plus l'esprit occupé avec ce que le passé propose, tu es libre de voir au-delà de ce que le connu te propose. Tu vois au-delà des sentiers battus. C'est-à-dire, il y a ce que tu es à ce moment-là, et ni plus ni moins la vie qui te traverse, et tu es cela. Et tu mets l'ambiance avec ce que tu es là, dans ce monde chaotique. Et tu changes de bord complètement. Tu n'es plus celui qui réagit aux événements. Tu es celui qui est acteur de ce que la vie propose. Tu donnes le là. Puisque tu es, à ce moment-là, le vivant, ce qui est vivant. Et dans ce vivant-là, il y a justement ce que l'intelligence propose. C'est quand tu es identifié au passé que tout stagne. Parce que tout ce que tu vois, c'est reconnu, c'est accepté, et puis tu es occupé avec ça. Ton esprit est tellement occupé avec toutes ces choses-là. Et là, on dit, pour observer, il faut que tu cesses d'être occupé. Tu ne joues plus.
Donc l'observateur, qui est le passé, abandonne sa position. Et en fait, il y a quelque chose de vrai qui surgit. C'est le présent. C'est ce qui est là, la présence. Dans le présent, il y a la présence. Il y a celui qui va mettre en... Il y a celui qui va faire en sorte que plus rien n'est fait pour déranger ce qui se joue. Parce que c'est comme ça que le chaos est arrivé. C'est parce que le passé est venu interpréter le présent. Et quand on a un passé qui vient interpréter les choses, eh bien, il y a la confusion. Parce que ce qui est vivant, en fait, n'a pas accès à la vie, à ce qui se joue. Le vivant, c'est lui qui doit être là, mais pas le passé, qui fut vivant. C'est complexe tout ça. Mais en fait, on va dire ça très simplement, que en fait, ton esprit est là pour être en paix. Et quand il y a la paix, eh bien, il y a une grande joie parce que tu n'as plus besoin de rien faire pour pouvoir faire en sorte que tu sois joyeux. Parce que toute une vie durant, on cherche des éléments qui vont nous donner un peu de stature, un peu de joie, un peu de bonheur. Et en fait, on est tout le temps dans cette activité de vouloir arriver à quelque chose. C'est pour ça que l'esprit n'est pas en paix. C'est pour ça que l'esprit est pratiquement jamais dans l'observation. Il est tout simplement en train d'agir, réagir, pour pouvoir garder sa zone de confort. Donc, si tu t'es identifié au passé, alors, il est bon de savoir que tu n'es pas le passé, que tu es le vivant. Et ce vivant change toute la donne. Parce qu'à ce moment-là, tu es présent. Il n'y a plus le regard du passé. Il y a le regard vivant de maintenant. Et tout se joue avec ce regard, avec cette vision que tu as. Et avec cette vision, c'est toi qui mets les choses en place. C'est toi qui mets la règle qui est celle de l'amour, de la paix, de la joie. Et de ne rien faire pour prendre, pour s'accaparer chez les autres, un peu d'énergie pour se sentir bien. Parce que quand tu es le passé, quand tu es toute cette histoire qui se joue tout le temps, eh bien, tu veux la garder pérenne. Tu veux qu'elle continue. Parce que c'est la seule chose que tu connais. Et tu as peur de voir la réalité comme elle est. Et la réalité, c'est que il n'y a rien. Il y a un silence complet. Et dans ce silence, tu es la présence. Et la présence, elle fait à partir du silence. Dès qu'il n'y a plus rien qui se passe, elle peut opérer dans la scène. C'est-à-dire que la scène, c'est ce qu'elle a toujours été. La scène, c'est l'ordre, l'harmonie, mais... Comme tu t'es identifié à la pensée, la scène est devenue le désordre. Ce n'est plus ce que la vie propose, c'est ce que toi, tu proposes. Donc, si tu cesses de proposer, si tu cesses de faire tout ça, alors l'ordre reviendra. Reviendra parce que tu laisses les choses être. Tu ne joues plus dedans. Tu n'es pas celui qui veut. Tu n'es pas celui qui pense pouvoir arranger les choses, contrôler les choses, pour que tu puisses continuer ta petite vie. Parce que ce que tu es, cette petite vie que tu es le passé. Et ce que tu proposes, c'est la joie d'hier, les choses que tu as vécues, ben, qu'elles puissent perpétuer. Donc tu aimes l'habitude, le train-train, et tu aimes rester dedans, parce que ça te réconforte. Et là, on est en train de dire que tout ça, ça doit être abandonné pour que tu puisses être toi-même
là, présent. Et cette présence, c'est la joie d'être, la joie de ne plus avoir rien à faire pour arranger le monde que tu es dedans, pour que le monde puisse être à ton goût. Et le monde ne pourra jamais être à ton goût, de toute façon, que tu aimes ou pas. Le monde va toujours se perpétuer de la même manière, parce que le monde, quand tu regardes avec tes yeux, tu vois le monde dans le temps. C'est ce qui se passe aujourd'hui et maintenant. Et puis après, demain, il y aura encore des choses qui vont se passer. Donc c'est un monde de temps. Donc ton esprit, pour pouvoir voir ce monde linéaire-là, il faut qu'il s'éloigne un peu pour voir au-dessus, dans une autre dimension, qui peut voir au-dessus de ce qui se passe, qui peut voir ce qui se passe. Il faut que ton esprit aille un peu plus haut. Il faut que tu t'éloignes de la scène pour voir justement tout ce qui se joue. Et alors tu comprends le temps. Tu comprends le monde du temps. Tu vois comment la ferment se fait tout le temps de la même manière. Et tout se répète tout le temps de la même manière. Alors, le fait de voir ça, cette vision, c'est l'intelligence. Et cette intelligence cesse de faire perpétuer les choses, puisque tu es intelligent. Donc, tout ce que tu voudrais n'a plus de valeur. C'est seulement ce que la vie est qui a de la valeur. Parce qu'à ce moment-là, ben, tu es libre. Libre de ce que tu dois faire. Et le monde a toujours été comme ça. On veut faire. C'est à partir du moment où tu ne veux rien, tu n'attends rien, que cet esprit, cette vision peut se mettre en place. Ce que tu es pour de vrai va pouvoir émaner. Parce que ton esprit a changé de bord. Il n'est plus dans le temps. Elle est hors du temps. Elle voit le temps. Elle voit tout ce qui se joue. Parce que tu ne côtoies plus le passé ni le futur. Tu côtoies ce qui est indisible. Tu côtoies ce qui est au-delà de tout le connu. Tu côtoies ce qui est au plus profond de toi, sacré. Et ça, c'est la vie. Et c'est la seule chose qui existe. Le passé, le futur, tout ce que tu as fait, toutes les histoires que tu as eues, tout ça, c'est des histoires qu'on aimerait faire perpétuer. Et elle appartient à celui qui s'appelle moi, celui qui veut exister, celui qui veut sa zone de confort. Donc, sortir de ça demande de l'attention pour pouvoir observer. Et quand tu as le statut de l'observateur qui voit soi-même en train de faire les choses, alors il y a l'intelligence qui est là. Et tout le reste disparaît, puisque ça n'existe pas. Le passé, l'observateur, tout ça, ça n'existe pas. Tu t'aperçois tout simplement que tout ça, c'était de l'illusion. Mais la seule chose qui existe, c'est ce que tu es là et qui émane la joie de vivre. Et que tu laisses cette joie, tu laisses cette... Tu laisses cette expression se jouer. Tu laisses cette expression de toi-même, de la vie que tu es, être.